Bonjour, bonjour, c'est Eve, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un coffret qui vient de sortir, hein, qui s'appelle L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein, qui est en fait une blogueuse et une youtubeuse qui est très connue et qui a déjà sorti un premier best-seller qui s'appelait d'ailleurs L'univers veille sur vous, qui était un livre, et Des miracles maintenant, voilà, qui était chez le même éditeur. Et là, elle nous propose donc cet oracle qui, je l'imagine, parce que je ne le connais pas du tout, ce livre-là, mais très inspiré de son livre, puisqu'il a le même titre, qui sont 52 messages inspirants pour vous ouvrir au pouvoir de l'univers. Alors, on va lire le dos. Je vous fais la petite mise au point. Ce coffret de 52 cartes oracle vous offre une guidance spirituelle afin de vous aider à trouver la force de vous relever lorsque vous êtes à terre, des synchronicités et du soutien lorsque vous êtes perdu, la sécurité lorsque vous êtes en proie au doute et la joie en toutes circonstances. Votre destin est entre vos mains, laissez la guidance des cartes vous porter, cultivez la patience et la paix et ayez confiance dans le fait que l'univers veille sur vous. C'est un petit coffret. Je ne l'ai pas mesuré, excusez-moi, je vais vous le mesurer comme ça vous l'aurez en direct. À peu près 14 sur 10 qui s'ouvre ainsi. Et on va avoir tout simplement les cartes et des poils de mon chat. Je l'ai quand même regardé, hein. Donc on a une carte en fait qui met tous les copyrights. On a une carte qui va être une petite biographie sur Gabrielle Bernstein. Un petit mot de Gabrielle, de l'auteur. Encore de nouveau une petite biographie de l'auteur et de la personne qui a fait les illustrations qui s'appelle Makaela Ezra. Et après on passe, donc on a quatre cartes là. Hop. On passe aux cartes, vous avez vu elles sont dorées sur tranche et le dos est très joli. Alors il n'y a pas de livret tout simplement parce que le message est tout simplement sur la carte. Vous allez voir. Et c'est tout mimi, tout mignon. C'est-à-dire qu'on a les petites illustrations, je vais toutes vous les montrer, voilà, avec le message. Et ben on va les regarder ces belles cartes. Vous mettrez sur pause si vous voulez lire un message en particulier. C'est joli, hein? Ce mélange d'aquarelle et graphique en noir, ou même parfois en couleur, c'est le très très des très très fins graphiques, c'est très très joli.
Et voilà, et pour la dernière. Donc ce jeu ne propose pas de méthode de tirage, parce qu'en fait il suffit tout simplement de tirer une carte quand on en a besoin par rapport à une problématique, une question qu'on se pose, quelque chose qui nous travaille. On tire une carte pour avoir son petit message de soutien et puis de guidance pour nous aider. Alors ça peut être aussi, il peut être également utilisé avec un petit message quotidien sur un thème, une réflexion à avoir toute la journée, une sorte de support de méditation. Et puis bon, on va en tirer une, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors vous avez vu, elles sont plastifiées brillantes et elles sont quand même épaisses. Elles se mélangent très bien en tout cas. Pas de résistance. Allez. Petit message. On fait la petite mise au point. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Donc c'est bien, par exemple, vous voyez, par exemple, un matin, vous vous sentez par exemple pas très bien, ou dans la journée, il y a des choses qui se passent pas comme on le souhaiterait, qui nous contrarient un petit peu. Si vous avez tiré cette carte-là au matin, au petit déjeuner, eh ben, vous allez porter beaucoup plus attention, vous allez beaucoup plus vous concentrer finalement sur les pensées positives et sur les messages qu'on vous envoie plutôt positifs et les énergies positives que vous avez envie de recevoir au lieu de fixer votre attention, au lieu de fixer votre attention justement sur les choses qui vous contrarient. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà pour l'univers veille sur vous. Eh bien, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.